Aujourd'hui, nous partons marcher et montrer notre détermination face à l'Andra une nouvelle fois. Nous vous avons demandé d'apporter votre matériel artistique pour pouvoir exprimer librement votre colère à la source même du désert nucléaire. Ces derniers mois, de nombreuses actions ont été réalisées autour du village de Bure, notamment au bois de Juc. Toutes ces mobilisations ont coûté cher. Absolument pas vrai, nous n'avons pas confiance dans ce que nous raconte l'Andra et nous ne comprenons pas comment le gouvernement qui arrive pourrait donner son aval à un projet qui est aussi peu mûr et aussi peu fiable et aussi peu populaire et accessible par la population. Le village de Mende est sans... Il y a plus de gendarmes qu'il y a d'habitants. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va plus là. Il faut le dénoncer. L'Andra et certaines personnes publiques ont commis un certain nombre d'illégalités qui ont finalement entraîné un certain nombre de recours, beaucoup portés par des associations locales, recours portés par des associations nationales qui sont venues en soutien, et recours également qui sont portés, et ça c'est extrêmement important, par les habitants de Mende-en-Barrois. On a eu une première décision favorable le 1er août dernier, où le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc a déclaré illégal, a reconnu un trouble manifestement illicite en défrichant, commencé en débutant le défrichement de la forêt du Bois-le-Juc. Et là, ça nous prouve en fait que l'Andra et de nombreuses personnes publiques vont parfois trop vite, beaucoup trop vite, et commettent des illégalités. Je représente le réseau Sortir du Nucléaire, qui est une fédération au niveau national. On apporte depuis des années un soutien sans faille à cette lutte et depuis quelques mois encore davantage. Et c'est vrai que on voudrait marquer en fait la priorité qu'on donne à cette lutte aujourd'hui. On pense que c'est vraiment par cette lutte qu'on va pouvoir aussi mettre un coup d'arrêt à la filière nucléaire, parce qu'arrêter CIGEO, c'est aussi empêcher l'industrie de pouvoir prolonger ses réacteurs et de les empêcher d'avoir en fait une fausse solution, une solution, présenter une solution de gestion qui n'en est pas une. Je peux te dire ce qu'on a vécu le 14 août, quand le premier mur a tombé, mais c'était une apothéose, tout le monde hurlait, quoi. Moi, quand j'ai vu tout ça, j'avais une émotion. Il s'agit effectivement d'un projet d'aéroport, d'un projet de centre et d'emplacement, mais c'est tout à fait le modèle de société dont il est question. Vers quelle société? Qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants? Personne.